Merci de nous être fidèles. Voici les titres qui dominent l'actualité. Une adolescente de 12 ans accuse son grand-père paternel de viol. Sa mère parle d'une affaire montée de toutes pièces car son grand-père l'avait réprimandée pour ses mauvaises fréquentations. Témoignage dans ce journal. Non au développement sauvage, oui au développement durable. La résistance contre le projet immobilier Legend Hill s'intensifie à Tamarin. Habitants, défenseurs écologiques, députés de l'opposition réclament l'arrêt des travaux, une action en justice envisagée. Paul Béranger met les points sur les i. Le poste de leader de l'opposition d'Arbin Boulel n'est pas menacé. Mais si le parti travailliste se sépare du regroupement de l'opposition, il y aura du changement, prévient le leader du MMM. Également à la une ce soir, le gouvernement souhaite vacciner 60% de la population d'ici juillet, soit 11 000 personnes par jour. Objectif, atteindre l'immunité collective, affirme le docteur Zubair Jumaï. Et puis le Festival des Lanternes s'invite au Coda Waterfront pour marquer la fin des célébrations du Nouvel An chinois. Une adolescente de 12 ans accuse son grand-père paternel de viol. Elle a porté plainte au poste de police de Chemin-Grenier en présence d'un officier de la Child Development Unit jeudi après-midi. La présumée victime allègue que les faits se sont déroulés l'année dernière, mais ne se souvient pas de la date exacte. Toutefois, la mère de l'adolescente que nous avons rencontrée donne une toute autre version. Elle affirme que c'est une affaire montée de toutes pièces par sa fille qui a été rappelée à l'ordre par son grand-père pour ses mauvaises fréquentations. Moi, me connais personnellement qui est une fausse accusation, qui modifie, qui identifie les biens qu'on apprend, les biens qu'on lit, les biens influencés par un bande du monde qui peut faire une bande qui est comme ça. Malgré qu'il m'a dit qu'il nous connaît, qu'il peut content un garçon drogué, il a 27 ans. Le temps, pas du monde de l'endroit qu'il connaît, qu'il peut être content un garçon là, peut suivre lui, peut joindre lui, peut trouver lui, peut causer avec lui. Mon beau-père, du monde, il vient d'y aller. Et mon beau-père, il commence à veiller lui, parce que moi, mon identifié disable, et moi, aller venir à l'hôpital Leno, moi, aller venir à l'hôpital Moka, moi, tout mon ventre prêt, mon papier médical, tout. Il peut dire moi, quand je suis parti là, qui n'arrive à faire comme ça. Mais malgré quand je suis parti là, moi, les temps, ils sortent de l'école, mon BMS, ils rentrent la case ensemble avec lui, même les. Et lui, il est à l'école. Mais même ça, étant mon beau-père, il a dit comme ça, mais qui s'en a sa garçon là? Il a dit que mon beau-père, sa garçon là, il a 27 ans. Mon beau-père, j'ai dit, moi, te connais ça, les restaurants qui, mon beau-père, j'ai été content, lui, puis te connais. Si tu pas pour arrêter, moi, pour dire ta maman, moi, pour dire papa, et moi, pour faire, je te connais, qui te peut faire ça, parce qu'il n'est pas d'accord, te compte un drogué. Alors, ben, une influence, une fille, il connaît, qui, comme quoi, fait sa travail, là, avec mon beau-père. J'ai une pensée que la police peut prendre mon beau-père pour aller. Et la police peut prendre mon beau-père pour aller. Alors, je dis pour gagner la liberté, qui, comme on dit, me suffit pour en dehors. Le grand-père sera prochainement interrogé par la police. La Child Development Unit a été saisie de cette affaire. Brandissant pancartes, hommes, femmes et enfants ont manifesté de Rivière-Noire à Tamarin ce samedi. Les opposants font bloc contre le projet immobilier Legend Hill pour des raisons écologiques car ce développement immobilier est érigé sur le flanc de la montagne de la Tourelle à Tamarin. Le porte-parole Percy Yip Tong annonce qu'il compte avoir recours à la justice. Une marche pacifique qui a vu la participation des défenseurs écologiques, mais aussi de certains parlementaires de l'opposition, à l'instar du député travailliste Fabrice David et de la députée du MMM, Johanna Béranger. Il y a un impératif qui nous a arrêté de arriver l'autre montant là. C'est tout pour l'écologie, pour l'environnement. Et je crois que tout le monde connaît qui est arrivé dans pour le montant en signaux. C'est un béton que je mets quand il y a un pli là. Tout, ça a pris pour tomber, mais la case pour fêler.
Il est dangereux, c'est tout pour ceux qui sont en bas, mais aussi ceux qui sont en haut. Respectez la nature. Respectez la nature. Ce qui peut arriver dans la tourelle de Tamarin, il symbolise tout saban dysfonctionnement, système supposé protéger la nature qui est non, la loi est non. Jolie promesse faire, joli discours faire, action zéro. Mais quand nous arrivons dans ce pays-là, quand le pays casse montagne, ou donne projet, ou donne PMI pendant lockdown, quelle qualité y a-t-il? Quelle qualité l'équipe technique finit étudier par un risque d'éboulement, de couler de boue, avec la pluie torrentielle qui nous prenait de plus en plus. Un projet pas qu'à faire loin de la pente 40 degrés. Je demande le gouvernement et le ministre concerné, reprend les dossiers, ressaisis-les. Ce projet-là, besoin d'arrêter. Non au développement sauvage, oui au développement durable et à la protection de la nature mauricienne. C'est une autre question aussi par rapport à deux refus qui Black River District Council t'y donnait. Tu refuses d'un permis construction pour partie commerciale, spa, gym, tout ça là. Et tu dis, c'est une inquiétude par rapport à Bandrin, sa pression qui Bandrin pour un an là. Est-ce qu'il ce problème-là fin réglé, qui fait ce audit projet-là, il gagne ce permis, alors qu'il, des fois, fin refuse d'un permis-là. Donc nous attendons une réponse de ma autorité et nous pourrions venir là dans le Parlement, quand le Parlement pourrait ouvrir. À ce stade, nous pouvons prendre un panel d'avocats qui peut guetter qui point les gones capables d'attaquer. Parce que ou gagne propriétaire millionnaire, qui a avant vie milliardaire, il est normal, le système capitaliste comme ça. Donc nous pouvons continuer à manifester, c'est moi qui bloque le chantier, parce que depuis, malin, arrête-moi, nous pas bloquer, mais nous pouvons manifester. Et depuis, des jours qui assènent les pipes bloquées, c'est moi nous devant la porte, c'est une double quantité de travailleurs et une double quantité de camions. Je ne vais pas accélérer parce que je connais, nous pouvons revenir lundi et la prochaine étape, c'est le stop order. Nous pouvons manifester jusqu'à stop order. Mais stop order, ce n'est pas une autorité. Parce qu'on dit, oui, on a un propriétaire, un acheteur. Mais qui donne l'autorisation? C'est le ministère de l'Environnement, c'est le Black River District Council. Et là, ça m'a ça nous soutenu par le Village Council de Black River, le Village Council de Tamarin et Banlaim qui dépose un stopping order à l'autorité tutelle, le Black River District Council. Et après, nous avons un panel d'avocats qui est là pour faire une caisse profonde que vous dire arrête tout, nous pour amener une preuve. La société française MJ Développement, qui est la promotrice de ce projet de luxe pesant plus de 2 milliards d'euros, ne compte pas reculer. Au défi quotidien cette semaine, Michael Ruel, le directeur du groupe qui se trouve en France, dit comprendre la frustration des habitants qui s'offusquent du phénomène de pétonisation qui sévit sur le littoral ouest de Rivière-Noire. Il a néanmoins affirmé qu'il est impossible de stopper les travaux. Je vous retrouve après la pub. Qui peut dire? Tu peux parler de ton tracas? Aïe oui! Mon peut gagner un tracas, comment on peut le faire mon étude dans le Canada ça l'année là? Relax! Alguit IDP pour te ben application pour l'entrée septembre 2021, ça 27 et 28 février là. Pas perdu les temps! Rendez-vous ça week-end 27 et 28 février là pour faire ton application gratis. Téléphone IDP l'on 210 19 71 pour ben Auréa. Send, si tu veux en profiter, venez rencontrer l'équipe Custos Beach Maritime et Défi Deal ce vendredi, samedi et dimanche à Bagatelle. Réservez sur place et remportez tous plein de cadeaux. Nous trouvons cette Bagatelle ce vendredi, samedi et dimanche. Vivez une expérience unique au Predator Kingdom au Kazla Nature Parks. La marche avec le roi de la jungle à seulement 1000 roupies par personne. Pour vos réservations, faites le 401 65 00. 401 65 00. Poste de leader de l'opposition, Darwin Boulel, n'est pas menacé. Mais si le parti travailliste se sépare du regroupement de l'opposition, il y aura du changement. Affirmation de Paul Béranger face à la presse ce matin. Le leader des Mauves souhaite que le poste de whip de l'opposition revienne au MMM. Paul Béranger ajoute que le MMM, le PMSD et le Reform Party iront ensemble aux prochaines élections municipales.
Mais nous ne répondons ça dans la conférence de presse. Nous disons le whip de l'opposition désigné par... le whip de l'opposition désigné par... Il n'est pas dans la loi, ça. Hein? Il n'est pas dans la Constitution. Mais il coule de source. C'est un leader de l'opposition qui s'oppose à un poste constitutionnel. Il est dans la Constitution. Mais il coule de source. C'est le leader de l'opposition qui nomme le whip de l'opposition. C'est logique. Et Arvin Boulel, en tant que leader de l'opposition, fait nomme dans le passé... Shakil Mohamed. Nous finissons dire, nous ne pas bousculer les choses. Nous finissons dire, nous ne pas perdre du monde. Ou du moins, ce stade, nous ne pas perdre du monde. Arvin Boulel, Ritiali. Parce qu'aujourd'hui, MMM, avec PMSD, il n'a plus de députés qui le parti travaille. Nous décidons pour pas bousculer les choses, nous ne pas les nier personne, pas les bousculer personne. Donc, nous ne faisons connaître qui. Nous ne pouvons pas demander qui voulait le Ritiali. Mais nous pouvons déclarer la situation évoluer au niveau politique et donc côté leader de l'opposition. Nous ne pouvons pas menacer, mais l'illogique qui sied là. Si le Parti Travail s'est parlé complètement devant les autres partis de l'opposition, pour un changement. Le leader du MMM qui annonce également qu'il rencontrera Nando Boda lundi pour un tour d'horizon. Et cet après-midi, le mouvement patriotique de Jean-Claude Barbier a accordé son soutien à Navin Ramgoolam. Face à la presse, il a soutenu que c'est le leader du Parti travailliste qui est l'artisan de l'entente de l'opposition. Aujourd'hui, il se retrouve comme un propriétaire devenu locataire, dit-il. C'est incroyable que Navin Ramgoolam, qui est l'artisan de cette entente, de cette entente de l'opposition parlementaire. Et aujourd'hui, ce qui nous comprend, comment dire, propriétaire, même une locataire. Hein? Donc, pour ne pas en dire plus, c'est chagrinant. Et évidemment, le mouvement patriotique et moi-même, personnellement, et tous mes camarades, nous très sympathiques à Navin Ramgoolam dans ce moment-là. Je connais qu'il y a un moment difficile, donc... C'est incroyable qu'il y ait quelqu'un qui fonde des affaires, qui a l'objectif, qui nous donne l'unité de l'opposition contre ce gouvernement. C'est vrai qu'il n'est pas trop étonné hein, de ce qui manière les choses peut évoluer. Moi, je pensais pour encore ben, les autres défections, comme ça. Et nous ne connaissons pas comment les choses peuvent évoluer plus devant. Mais c'est vrai qu'il nous capable d'attendre qu'il y ait encore beaucoup de bons événements politiques qui, d'après nous, pour arriver là, jusqu'à ce qu'il arrive les séances des prochaines élections municipales. Autre conférence de presse, celle de Résistance et Alternative. Selon le mouvement de gauche, l'opposition torpille la mobilisation citoyenne. L'un des porte-parole de Résistance et Alternative, Ashok Soubron, parle d'une grave crise socio-économique. Le stress social s'est transformé en détresse dans la société, dit-il. Ashok Soubron plaide pour un programme de transition économique pour le pays. Face à sa crise, là, hein, nous allons dire, face à sa crise institutionnelle, socio-économique et crise de la faillite du politique du régime au pouvoir, ben, il est très très grave pour trouver ce qui est arrivé dans les dernières semaines. L'opposition officielle parlementaire entopie la mobilisation populaire qui a développé depuis l'année dernière et qui a commencé par nous. Depuis les 11 siècles. L'opposition peut démontrer un spectacle. Le 13 février représente la tentative, nous appelons, pour topper la mobilisation populaire, la mobilisation citoyenne qui nous développait toute longue 2020 et qui nous suffit à attendre pour prendre une nouvelle dimension en 2021. Voilà que l'opposition parlementaire, et bien une partie politique traditionnelle, une topie. Là, l'opposition, il décide pour. Il décide pour mettre au agenda la guerre post. C'est ça qui peut dérouler là. Ça veut dire la guerre post. La guerre chief whip, la guerre leader de l'opposition, la guerre qui s'en a pour premier ministre d'un futur gouvernement. Alors que tout le monde connaît une liaison sortie, une crise institutionnelle, une l'affairiste qui arrive à un niveau répugnant.
Les autorités tentent de convaincre les Mauriciens, la classe politique et les chefs religieux de se faire vacciner. L'objectif est d'atteindre l'immunité collective d'ici juillet 2021. Pour réussir ce pari, il faudra vacciner 60% de la population, soit au moins 11 000 personnes par jour, a soutenu le docteur Zubair Jumaï face à la presse ce matin. L'objectif, c'est créer une immunité de groupe, une immunité collective pour qui justement ne pas regagner une chaîne de transmission dans la population. C'est pour ça que nous pouvons faire un appel à la population qui est bien vaccinée. Nous besoin vacciner parce que nous besoin gagner une protection personnelle. Le but du vaccin, c'est protéger nous-mêmes en premier. Après qu'il nous protège nous l'environnement, nos familles, nous protège nos bonnes collègues de travail et aussi nous protège tout bon du monde qui est là pour de nous bonnes services. Nous protège bon du monde qui bonne frontliner. Qui peut donner nous un service tel que la banque, supermarché. Et c'est pour ça qu'il est bien vacciné, pour qu'il peine une possibilité, qu'il y ait une chaîne de transmission. Puisque nous connaissons qu'il y a un risque. Le risque, jamais divine zéro. Le risque, même en ce moment, il y a un risque. Il y a un risque parce qu'il y a du monde qui sort de l'étranger. Et dans pratiquement chaque vol qui vient, il y a du monde qui vient qui est contaminé. Donc, ce qui fait que le virus est en cours et rentre dans le pays et il y a toujours une possibilité, malgré le fait que tout nous bon protocole bien, bien strict, mais de temps en temps, il est possible qu'il y ait un engine qui passe au travers des mailles du filet. D'ailleurs, moi-même, au fin de retour, moi, en auto-isolation, puisque engine fin passe à travers les mailles du filet. C'est pour ça que nous sommes vaccinés. La campagne vaccinale nous vient faire le plus vite possible, le plus efficace possible et nous gagne maximum du monde possible. Ainsi, à partir de lundi, ceux qui ont plus de 60 ans, mais également ceux qui ont des maladies chroniques, pourront se faire vacciner. C'est l'événement de ce samedi, le Festival des Lanternes qui s'est invité au Côte d'Or Waterfront. Cet événement marquera la fin des célébrations du Nouvel An chinois placé sous le signe du buffle de métal. L'initiative revient à la New Chinatown Foundation. Tout un programme à l'ordre du jour, atelier de confection de cerf-volant pour les enfants, spectacle culturel avec la danse du dragon et bien d'autres surprises. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée. Si tu veux en profiter, venez rencontrer l'équipe Custos Beach Maritime et Défi Deal ce vendredi, samedi et dimanche à Bagatelle. Réservez sur place et remportez tous plein de cadeaux. Nous trouvons à Bagatelle ce vendredi, samedi et dimanche. Eh, hey, qui peut dire? Tu peux parler de ton tracas? Aïe oui! Mon peut gagner un tracas? Comment on peut le faire mon étude dans le Canada ça l'année là? Relax! Algate IDP peut une application pour l'entrée septembre 2021, ça 27 et 28 février là. Pas perdre le temps! Rendez-vous ça week-end 27 et 28 février là pour faire ton application gratis. Téléphone IDP l'on 210 19 71 pour ben horaire.